cover until we have strength. We cover until we have nations waiting. We be old until we have hope. How long can you wait? We be old until we have hope. How long can you wait on me? We be old until we have hope. How long can you wait? How long can you wait? We be old until we have hope. If it takes an eternity, will you wait? How long can you wait? De dernière minute, les changements de dernière minute, les transformations de dernière minute, les témoignages de dernière minute. Visite ton peuple, aplanis cette montagne, enlève cette maladie de ses corps. Résous ces problèmes. Oh rabababa shataraba. Miracle de dernière minute. Miracle de dernière minute. Agis Père, agis Père. Emmanuel est là aussi, présent avec moi. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de Église, est-ce qu'on peut chanter ces chants? C'est comme une prière, une confession, une proclamation.
Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus, Jésus. Juste le sang de fervent et bas. Et quand je prononce, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le sang de ton nom fait avant et bas. Et quand je prononce ton nom, encore une fois, quand je prononce, et quand je prononce ton nom, je sais que tu peux tout faire, Jésus, Jésus. Juste le sang de ton nom fait avant et bas. Et quand je prononce, encore une fois, jusqu'à ce que tu le crois, et comme une prière. Quand je prononce, et quand je prononce ton nom, devant la maladie, devant la mort, devant le problème, le chêne se brise. Je sais que tu peux. Rien n'est impossible à Dieu. Jésus, juste le sang de ton nom fait avant et bas. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne changes jamais mon espoir, ma délivrance. N'échoue jamais mon espoir, ma délivrance, et ma nuit. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu es. N'échoue jamais mon espoir, ma délivrance, et ma. Tu es ma force, l'encre de mon âme.
je prononce ton nom. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux tout à l'exception de rien. Juste le son de ton nom. Oh Rababash, Kinta Rebekas, E Prada Baga, Zegede Beges, E Mbrada Baga Bazia Baga. Nous savons que tu peux tout faire. Nous savons que même à la dernière minute, tu peux faire quelque chose. Même à la dernière semaine, tu peux faire quelque chose. Aïe, Brada Bashakata, Ipate Rebebebebebe. Nous ne voulons pas nous arrêter là où toi tu n'es pas arrêté. Nous ne voulons pas cesser de croire alors que tu as encore des possibilités. Nous croyons que tu peux guérir encore. Nous croyons que tu peux libérer les possédés. Nous croyons que tu peux faire tomber le chêne. Nous croyons que tu peux résoudre les problèmes. Nous croyons que tu peux ouvrir des portes. Nous croyons que tu peux faire en sorte que cette décision soit prise en notre faveur. Jésus, Karababababa Chanterebe, Enderebebebebebe Chanterebebebe, Kurabababo Chanterebebebe, Aleprosuya Babobo Chanterebebebe, Jésus. Les dieux des possibilités illimitées. Les dieux qui peuvent faire comme il veut, quand il veut, pour qui il veut. Oh Jésus, nous ne voulons pas diminuer notre foi. Au contraire, nous l'accentuons, nous l'accélérons, nous l'intensifions. Oui, Seigneur, je demande des miracles. Je demande ton intervention dans la vie de ton peuple. Je demande ton intervention dans ma vie. Je demande ton intervention dans la vie de ceux qui sont malades. Je demande ton intervention dans ceux qui sont plongés dans le problème. Je demande ton intervention. Ton intervention. Ton intervention. Agis, Père. Agis, Père. Agis, Père. Agis, Père. Viens ôter ce fardeau qui pèse sur nous. Qui nous empêche de dormir calmement. Qui nous empêche d'avoir une bonne santé. Qui nous empêche de réussir. Qui nous empêche d'être efficace. Viens ôter ces fardeaux. N'est-il pas écrit dans ta parole que vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, vous aurez du repos. C'est ce que nous avons fait. Fais ta part. C'est ce que nous avons fait. Fais ta part. C'est ce que nous avons fait. Fais ta part, Jésus. Fais ta part. Fais ta part. Fais-moi monter. Dans les profondeurs.
bénis ta parole. Oint ta parole. Comme une bouée de sauvetage, nous voulons la tenir, ta parole. Quel que soit ce que nous pouvons endurer et traverser, nous voulons dire, comme cet adorateur, nous tenons ta parole dans nos cœurs. Nous la serrons dans nos cœurs. Ta parole fait vivre. Ta parole donne de l'espoir. Ta parole éclaire. Ta parole restaure. Parle à nos cœurs. Répands dans cette église un esprit évangélique. Que les hommes qui sont ici deviennent des milliers, des centaines. Viens Seigneur nous accorder cette capacité de nous multiplier afin qu'en nous multipliant, que ton règne vienne, que ton royaume soit établi. Je m'abandonne à toi Saint-Esprit, je demande ton action et ton onction. Merci de me oindre et de te servir de moi encore ce soir. Fais ce que tu as prévu faire ce soir. Je m'oppose à tout ce qui n'est pas de toi. Agis comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de rester debout pour honorer la parole de Dieu. J'ai une portion des Écritures à nous proposer. Luc chapitre 5. Nous lirons la portion des Écritures. Allons du verset 1er au verset 5. Luc chapitre 5. Vous y êtes? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. » Que Dieu bénisse sa parole, reprenez vos places s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus et je vous prie de faire de même à la sœur, au frère à votre côté. Souhaiter à ces chasseurs des dieux, à ces vaillants, un bon culte. Dis vraiment, frère, je ne croyais pas que tu allais arriver jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu nous a soutenus. Et à nos frères et sœurs sur Internet, nous vous saluons au nom de Jésus. Ce soir, je vais poursuivre le thème que j'ai abordé hier, la multiplication de justes. Hier, en abordant ce message, j'ai fait un parallélisme entre la multiplication des injustes ou du mal et la multiplication de justes. Je dis que lorsque les injustes, les païens, les fils du diable, les hommes méchants se multiplient, la nation est dans la souffrance, la famille est dans la souffrance, la ville est dans la souffrance, le quartier est dans la souffrance. Lorsque les sorciers deviennent nombreux dans une nation, les occultistes se multiplient dans un quartier, les agents de ténèbres se multiplient dans une famille. On sent que c'est le règne de l'ennemi, le règne du diable qui s'installe. Les gens tomberont malades, les gens auront du mal à décoller, les projets auront du mal à voir le jour. Mais de l'autre côté aussi, lorsque les justes se multiplient, on voit que la multiplication des hommes droits, des hommes justes, amène aussi le règne des dieux.
Je dis que pour que le juste se multiplie, il est nécessaire que nous puissions prier. Nous devons prier pour que Dieu nous accorde la grâce d'avoir une multiplication de justes. La Bible dit que la moisson est grande, mais à peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie. La part de Dieu, c'est de nous envoyer le juste et de multiplier le juste. Mais notre part, c'est de demander à Dieu, de prier à Dieu. Le texte biblique dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, nous enseigne que les apôtres ont prié. Ils ont su que les âmes s'est gagnées à genoux. Ils ont eu la révélation que tout ce qu'ils voulaient que Dieu fasse arriver dans leur vie, quel que soit leur désir intense de voir les âmes se convertir, quel que soit leur désir ardent de voir les justes être multipliés, les apôtres étaient conscients que la prière était la passerelle que le Seigneur allait utiliser pour amener ces désirs ardents à devenir une réalité. Également, je dis que la multiplication de justes s'est faisée aussi par l'évangélisation, principalement d'ailleurs, je vais parler dessus durant même 2 ou 3 mois durant cette année, et j'ai parlé de quand nous évangélisons, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et évangéliser, c'était quoi? C'était annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'était présenter Jésus sur le champ d'évangélisation, pas présenter une église ou les noms d'un pasteur, mais c'était mettre en avant le Christ. Et c'est alors qu'on peut dire à la personne qui a ouvert son cœur à Jésus, je prie dans telle église, viens dans cette église-là, tu seras bâti comme moi, tu seras édifié comme moi. Mais d'abord présenter le Christ et ensuite présenter notre congrégation après, parce que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour une dénomination religieuse, il est mort pour les âmes qui croient en lui. Et pour ce matin, pour ce soir, je vais aborder le même thème dans un sens un peu différent. Mais avant cela, je voudrais définir la multiplication. Hier, je ne l'ai pas pu. La multiplication, de manière générique, c'est une augmentation en nombre. Lorsqu'on dit que mon chiffre d'affaires a augmenté, mon chiffre d'affaires s'est multiplié, on fait tout de suite allusion à une augmentation. Lorsqu'on parle donc de la multiplication des justes, on fait rapidement ici allusion au fait que nous voulons que Dieu augmente les nombres des justes, qu'il augmente les nombres des chrétiens, qu'il augmente les nombres de vrais disciples de Jésus-Christ. Si nous étions en 2024 au Cameroun à 1 million, que nous atteignions 2 millions, si nous étions à 2 millions, que les justes deviennent 4 millions, 5 millions. Mais la prière, c'est cela. La pensée profonde, c'est cela. C'est une augmentation en nombre. Lorsque nous augmentons en nombre, facilement nous pouvons être conquérants, facilement nous pouvons être envahissants, facilement nous pouvons imposer le règne de Dieu. Mais aussi, la multiplication, c'est l'accroissement. C'est l'accroissement. C'est la croissance, c'est quelque chose. Et enfin, la multiplication, c'est la reproduction d'une même espèce de manière exponentielle. Ça veut dire, nous prenons la même espèce, nous avons planté à Garoua, nous voulons que cette même plante soit multipliée dans tout le Cameroun. Nous prenons la même espèce, nous la plantons à Maroua, à Gaoundéré, à Douala, à Kribi, c'est la même espèce que nous voulons qu'elle se duplique, qu'elle se multiplie, qu'elle se reproduise. Et nous voulons que la même espèce, Jésus, soit multipliée à Douala, soit multipliée au Cameroun. Nous voulons que la même espèce, Jésus, soit répandue et que cette multiplication, que cette reproduction de la personne de Jésus soit faite de manière exponentielle. Et c'est cela, donc, la multiplication du juste dont nous faisons allusion autour de ces thèmes. Sachez, mes frères et sœurs, que la multiplication dépend toujours de la sémence dont on est porteur. On ne peut pas espérer à une grande multiplication si la qualité de la sémence que nous avons n'est pas très, très bonne. Hier, j'ai fait allusion au type d'enseignement que les apôtres donné aux chrétiens de la première ère, aux chrétiens de la première génération. Je dis que les apôtres les enseignaient des enseignements qui les poussaient à avoir Christ comme centre, les enseignements qui les ramenaient à être bibliques,
Les apôtres ne les enseignaient pas d'aimer le pasteur, de croire, d'aimer beaucoup l'église. Les apôtres bâtissaient des disciples de sorte que les disciples avaient reçu d'eux une sémence qui était tellement positive et cette sémence avait bâti leur foi en Jésus de sorte qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Les disciples, les premiers chrétiens n'avaient pas peur de la mort. Et même ils trouvaient la mort comme une opportunité de voir le Seigneur. La Bible dit dans les épîtres aux Hébreux, le chapitre 11, qu'il y avait des femmes qu'on avait enchaînées et on voulait les libérer. Elles ont refusé parce que pour elles mourir pour Jésus, c'était pour elles une opportunité d'aller voir le Seigneur. Comment elles sont arrivées à ce niveau? Parce que la qualité des enseignements qu'on leur donnait, la qualité des sémences qu'on plantait dans leur vie, c'était une qualité des sémences qui leur permettait d'être résistants, qui leur permettait de tenir face à tout type d'adversité, qui leur permettait d'être endurants. Mais aujourd'hui, nous avons dilué les messages, nous avons mis de l'eau dans le vin. Et ça fait que lorsque on voit les types de chrétiens que les églises produisent aujourd'hui, ce sont les chrétiens faiblards, les chrétiens qui ont peur de la mort, qui ont peur de la sorcellerie, les chrétiens qui ont peur des difficultés, les chrétiens qui se laissent être envahis facilement par de la tristesse. Il suffit qu'un petit problème vienne sonner à sa porte et tout d'un coup il devient triste. Il ne vient même pas à l'église, il vient à l'église lorsque tout va bien. Mais si seulement les dieux de Job visitaient sa vie, il ne viendrait plus à l'église. Que Dieu nous donne des chrétiens au calibre de Job. Même lorsque les choses ne vont pas bien, tu aimes Dieu. D'ailleurs, c'est quand les choses vont mal que tu dois davantage aimer Dieu. Parce que quand ça va mal, tu es déjà fragile. Alors si tu n'aimes pas Dieu fort, tu vas davantage te casser. C'est quand ça va vraiment mal que tu dois davantage aimer Dieu. Et les apôtres, ils ont eu à planter dans la vie des premiers disciples, des premiers chrétiens, une qualité de sémence qui a fait de ses disciples des héros. Aujourd'hui, on parle encore d'eux. Quand on voit un disciple issu de leurs enseignements comme Philippe, comme Étienne, quelle qualité des chrétiens qui n'étaient pas apôtres, qui n'étaient pas prophètes, qui étaient des chrétiens normaux, des chrétiens simples, des chrétiens lambda, mais la qualité de leur enseignement. Donne-nous, Seigneur, d'être ces gens d'enseignants qui enseignent des choses qui demeurent. Donne-nous d'être ces gens d'enseignants qui enseignent des choses qui traversent les générations. Donne-nous d'être les gens d'enseignants qui prêchent des choses qui restent retentir dans les cœurs des gens, même après des générations. Aujourd'hui, le sens que je vais prendre, ce serait plutôt de faire une forme d'autopsie, afin que nous puissions voir quelles sont les causes qui empêchent aux disciples de se multiplier. Vous voyez, lorsqu'un couple a des problèmes de conception, ils vont faire des examens afin de voir quel est le problème. Est-ce que c'est la compatibilité? Est-ce un des conjoints est porteur d'une maladie, est porteur d'un handicap? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il soit pas en mesure de se reproduire, de procréer? Et ce soir, nous ferons l'autopsie en parlant de trois ou quatre choses. À la lumière des Écritures, ça nous permettra de voir qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous multiplier. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des chrétiens, on arrive dans une entreprise, l'entreprise ne bouge pas. Alors qu'au temps des apôtres, quand les apôtres arrivaient dans une ville, la ville était bougée. La ville disait, mais les dieux sous formes humaines sont venus vers nous. Mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui, ils vont dans un quartier à des sorciers, au lieu que les sorciers tremblent, c'est lui qui sèche. Qu'est-ce qui fait cela? En analysant les Écritures, voici la première chose que j'ai découvert. C'est que nous n'arrivons pas à multiplier les justes parce que nous ne considérons plus les âmes comme des âmes. Nous ne considérons plus les mondes comme un champ de récolte, un champ d'évangélisation. Nous ne considérons plus nous ne considérons plus les païens comme des personnes que nous sommes dans leur vie en mission. Nous ne le considérons plus comme ça. Et même, j'aimerais même parler aux personnes qui sont mariées avec des inconvertis. Si Dieu t'avait permis, avant de le connaître, d'épouser un païen, une païenne, une fois tu as connu Dieu, tu dois savoir que tu es en mission dans la vie de cette personne-là. Si le fidèle ne supporte pas, comme le dit 1 Corinthiens 7, à cause de ta foi, il s'en va. Gloire à Dieu, il veut divorcer parce qu'il ne supporte pas ta foi. Gloire à Dieu. Mais si l'infidèle t'aime et malgré que tu te sois converti, l'infidèle ne veut pas divorcer. Tu dois te dire que je suis dans sa vie en mission.
J'aimerais le dire autrement. Tu dois non seulement te comporter dans sa vie comme son mari ou sa femme, mais bien plus tu dois te comporter comme un évangéliste dans sa vie. Pourquoi je dis ça? L'amour que tu portes pour lui, cet amour finira sur terre lorsque Jésus-Christ reviendra. Parce que quand Christ reviendra, il séparera les brebis et les boucs. Lorsque Christ reviendra enlever son église, la Bible dit de deux personnes qui dormiront dans un même lit. Une sera prise et l'autre sera laissée. Et imagine, tu as vécu avec un mari, une femme, toute ta vie. Tu lui as donné toute ta jeunesse, ta vigueur. Et cette personne, quand Jésus revient, parce que toi tu t'en allais à l'église, tu avais cru au Fils de Dieu. Et lui ne voulait pas croire, elle ne voulait pas croire. Et lorsque la trompette va sonner, l'enlèvement va vous séparer et tu passeras toute ton éternité sans cet être que tu as aimé, sans cet être qui a façonné ta vie, sans cet être qui a marqué ta vie plus que n'importe qui. Quelle tristesse, quel malheur pour toi. Vous ne devez pas vous habituer aux païens. Les païens que Dieu met autour de vous, vous devez vous considérer comme des missionnaires auprès d'eux. C'est comme ça, des fois quand je prêche, les gens pensent que je suis dur, trop dur. Quand je dis qu'un chrétien n'est pas ami avec un païen, frère, sœur, je ne suis pas en train d'exagérer. Parce que dès l'instant où le chrétien devient ami avec un païen, tu es démystifié. Il ne te considère plus comme un envoyé de Dieu. Regardez lorsque un professeur devient ami avec les étudiants. Son cours est démystifié. Même quand il crie, on ne le respecte plus. Son autorité est diminuée, diluée, bafouée. Et lorsque les chrétiens deviennent amis avec un païen, tu es en train de diluer ta mission dans sa vie. Il y aura un jour, lui n'a pas l'esprit de Dieu, toi tu en as. Il y aura un jour, l'esprit de Dieu va te saisir et tu lui donneras une parole prophétique. Il ne va pas croire que c'est Dieu qui a parlé. Parce que vous êtes des amis. Un chrétien n'est pas ami avec un païen. À la limite, un chrétien a des connaissances païennes. Ça veut dire, l'amitié, c'est rapprocher quelqu'un dans un cercle restreint de ta vie. Mais la connaissance, il est un peu plus loin de ta vie. Moi, j'ai des connaissances païennes. Des gens avec qui on étudie à l'université sont encore des païens. Je suis encore dans les groupes là de l'université jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne suis pas ami. Ils savent que je suis pasteur. Quand ils me parlent, ils savent comment ils me parlent. Ils savent que lui, il y a des propos, je ne peux pas tenir avec lui. Mais si je devenais ami au nom de la paix, je vais diluer les messages. Regardez mes frères et sœurs un jour. Dans Galates chapitre 2, le verset 11 au verset 14. L'apôtre Paul ici, il arrive quelque part. On nous parle ici de l'histoire de l'église. Il y avait deux camps à l'église. Les premiers camps, c'était les camps de personnes qui croyaient en Jésus. Mais au-delà de croire en Jésus, ils voulaient judaïser ceux qui recevaient l'évangile. En d'autres termes, ceux qui avaient cru en Jésus, quand ils annonçaient l'évangile aux autres païens qui n'avaient pas encore accepté Jésus, ils voulaient les judaïser. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ils voulaient les amener à la loi de Moïse, à se circoncire de la chair, et après qu'ils auraient respecté la loi de Moïse, c'est alors qu'ils pouvaient déclarer ces personnes comme étant chrétiens. Et il y avait un autre camp, le camp de l'apôtre Paul. Pour lui, la foi suffisait pour devenir chrétien. Et c'est ça qui est biblique. L'apôtre Paul n'était pas dans les histoires pour que tu deviennes fils de Dieu, enfant de Dieu, tu dois faire tel rite, tel autre rite. Non, l'apôtre Paul prêchait, il suffisait de croire en Jésus et puis tu deviens enfant de Dieu. Alors, dans ces deux groupes, un jour, l'église se décide d'aller quelque part dans une ville qu'on appelle Antioche. Et c'était la première personne ou la première équipe, c'était l'équipe de Pierre. Pierre arrive à cet endroit, écoutez ce que la Bible dit. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, Paul qui dit, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques qui était le demi-frère de Jésus, qui était le chef de l'église. Plusieurs personnes pensent que c'est Pierre qui était le chef de l'église. L'église primitive avait pour chef Pierre. Comment il s'appelle? Jacques, le frère de Jésus. Le frère biologique de Jésus. Il mangeait avec les païens.
Et quand elles furent, les personnes que Jacques envoyait, quand elles furent arrivées, Pierre s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Le verset 13. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas selon, il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Écoutez ce que Paul dit. Je dis à Céphas, en présence de tous, toi qui es juif, tu vis de la manière de païen et non de la manière de juif. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Que Pierre, lorsqu'il s'est retrouvé avec les païens, il s'est comporté comme un païen. Et lorsque Pierre s'est comporté comme un païen, au milieu de païens, et qu'il voyait un frère, il s'est caché, il changeait de comportement. Et Paul dit que beaucoup d'êtres chrétiens à l'époque, ils sont entrés dans cette dissimulation, dans cette hypocrisie. Même Barnabas. Et lorsque Paul a vu ça, il a repris Pierre. C'est comme pour lui dire, mais si tu vis comme eux, comment tu vas les changer? Si tu te comportes comme eux, comment tu vas les impacter? Frères, sœurs, la différence amène les changements. C'est quand tu es différent que les gens vont t'accepter. N'ayez pas peur d'être différent des autres. C'est Dieu qui vous a appelé à cette différence. Il sait pourquoi il vous a appelé à cette différence. Et on voit, lorsque nous sommes chrétiens, on veut diluer nos principes. Parce que quand je manifeste trop ma chrétienté, ça va déranger les gens. Eh bien, que ça dérange. As-tu déjà vu un lion dans une forêt en train de marcher? Il voit l'antilope fuir, il voit le chat fuir, et puis commence à marcher comme un chat, parce qu'il a peur de déranger les gens. Mais ben, que ça dérange. Comment tu es en train de réduire à néant la nature des dieux que Dieu t'a donné parmi les païens, parce que tu as peur que leur conscience soit dérangée? Eh bien, que leur conscience soit dérangée. Comment ils vont changer s'ils ne sont pas dérangés? Ils doivent être dérangés pour être changés. Comment les étudiants les plus paresseux revoient ces notes? C'est quand on annonce qu'il y aura examen. Cette annonce-là va déranger tout le monde. Surtout si les professeurs ont dit, lisez surtout la page 15 jusqu'à 40. N'est-ce pas, vous allez lire ça? Et c'est ce dérangement-là qui poussera aux étudiants d'être studieux. Et quand ils sont studieux, c'est quand ils vont réussir. Mais nous, on a peur de déranger les gens. Je suis contre un dérangement dérangeant, charnel. Mais un dérangement qui est spirituel, ce n'est pas mauvais. Ça veut dire, toi, vraiment, tu déranges les gens expressément. Tu vas à un endroit, c'est entreprise, hein? L'odeur du péché comme ça, l'odeur de l'impudicité. Ah non, là, c'est mauvais. Tu arrives chez ta famille, tout le monde, tu deviens un porc-pique parce que ton dérangement n'est plus spirituel, c'est maintenant charnel, là, c'est mauvais. Mais s'il ne supporte pas ta foi parce que tes principes sont hauts, là, ne baisse pas tes principes. Et l'apôtre Pierre, s'il vous plaît, les grands Pierre étaient tombés dans ces pièges. Et si les grands Pierre qui a écrit 3 épîtres est tombé, toi, dans une génération où les mâles n'avaient pas atteint son comble comme dans notre temps, dans une génération où les hommes n'étaient pas aussi mauvais à l'époque de Pierre, mais la méchanceté de ces temps, la mauvaise sémence de ces temps, cela a pu amener l'apôtre Pierre à devenir hypocrite. Quoi de plus normal de se rendre compte qu'il était normal que Pierre, que Paul soit efficace dans l'évangélisation? Parce que l'apôtre Paul ne cachait pas son identité. Que beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui sont des Barnabas, sont des Pierre. Ils sont chrétiens librement qu'à l'église. Mais quand ils sortent de cet endroit, ils ont peur de manifester la totalité de leur identité chrétienne. Ils manifestent un peu, parce qu'ils ont peur de perdre les clients. Ils ont peur de perdre les abonnés, ils ont peur de perdre les amis, ils ont peur. La Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant le Père. Il y a un texte que j'aime beaucoup, que quelquefois je retourne ça. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et quand Dieu est contre nous, qui sera pour? Qui contre toi, qui sera pour toi? Tu préfères déclencher la guerre avec Dieu pour plaire aux hommes que d'être en paix avec Dieu, même si les hommes ne te trouvent pas bien.
Et ça, quand nous ne voyons plus les âmes comme les âmes, on ne sait pas multiplier les âmes en disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'il y a un démon qui les empêche, c'est nous. On va dans une fête mondaine, on voit les gens dans une piste danser, transpirer. Et quand on veut aller voir qui danse comme ça, c'est les frères de l'église. Quand on veut aller voir qui anime là-bas, au Shabbat, c'est les frères de l'église. Allez, à l'université, un païen avec P majuscule. À l'église, un saint avec S majuscule. Et quand ton ami de Shabbat à l'université vient à l'église, il te va faire les protocoles. Il dit, ah, toi aussi, tu es ici. Tout ce que je prêche, ça entre, ça sort. Parce que il dit, si c'est cet homme que ses frères écoutent tous les jours, il est comme ça. Donc cet homme n'est rien. Tu vois ce que tu fais à cause de toi. Lorsque nous ne considérons plus les païens comme les âmes pour lesquels Jésus-Christ est mort, on ne peut pas les sauver. Lorsqu'un ennemi ne se voit plus comme un ennemi, il devient ton ami. Il doit voir que tu es mon ennemi. Tu es un sorcier, on ne s'entend pas avec toi. Mais quand il commence à voir qu'on m'accepte, ben, il va faire ces choses librement. Il doit être dérangé, il doit sentir qu'il y a une ligne de démarcation, il doit sentir ça. Plaise à Dieu de restaurer des pierres, de restaurer des Barnabas, qui sont devenus hypocrites. J'aimerais même faire une prière autre. Plaise à Dieu de te donner la capacité de manifester ta foi, peu importe l'endroit. Il y a même certains ici, l'influence que vous avez dans ces endroits-là, parce que vous dissimulez votre foi, parce que vous êtes hypocrite. Regardez comment, en étouffant ton identité, tu as de l'influence sur les gens. Maintenant, si tu manifestais vraiment qui tu es, quel impact tu aurais eu? Parce que c'est toi qui es le leader, non? Quand il y a des problèmes à l'université, c'est toujours ton nom qui est cité. Quand il y a des problèmes, c'est toujours toi. Quand on dit, on va aller à Kribi pour une excursion, c'est toujours toi le leader. Donc tu amènes tout le monde. Maintenant, imagine que c'est toi qui deviens le leader positif, qui prêche l'évangile. Quel impact tu auras? Comment tu multiplieras les disciples de Jésus-Christ? Lorsque nous cessons de voir les païens comme les païens, notre ministère dans leur vie est cessé. On dit toujours que là où il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de ministère. Lorsque tu n'es plus un mystère pour les païens, ils t'ont démystifié. Quoi que tu leur dises, ils ne vont plus croire. Vous savez, il y a des païens, j'ai entendu ça ici même une fois. Quelqu'un disait, ah, toi tu peux nous prêcher. Il disait un frère de l'église, toi tu peux nous prêcher. Mais l'autre là, non, il ne peut pas nous prêcher. Tu vois, les païens ne sont pas dupes, hein. Ils ne sont pas bien idiots les païens, ils sont intelligents. Les païens savent que lui c'est un vrai, lui c'est un faux. Même nous quand on était des païens, on savait ça n'est-ce pas, non? Que ces pasteurs c'est un faux, l'autre c'est un vrai. Et les païens savent aussi voir que tu es un faux ou tu es un vrai chrétien. Même s'ils te le rappellent pas, ils t'acceptent, sache que tu es en train de leur permettre de s'endurcir dans leur situation. Un chrétien qui boit l'alcool avec les païens. Et des fois, ce sont les païens qui te disent, tu as beaucoup bu, calme-toi. Vous rendez compte? Un païen te supplie, il te dit, demain c'est dimanche, calme-toi. Un chrétien. Comment veux-tu que ces païens croient à ton Jésus? Quoi de plus normal que l'église au Cameroun ne soit pas explosive, ne soit pas influente? Des prédicateurs, nous les avons à l'église. Des chantres, à l'église nous les avons. Qui chantent très bien même, nous les avons. Mais pourquoi toutes ces grâces-là que nous avons, on n'arrive pas à impacter? Parce qu'il n'y a plus de différence entre le style de vie des chrétiens et le style de vie des païens. Tout ce qui différencie maintenant les païens des chrétiens, c'est seulement ces noms-là chrétiens. Mais quand on voit le style de vie, c'est le même style de vie. Le païen, je veux dire comment? La chrétienne s'habille comme la païenne. La païenne a un pantalon coupé. La chrétienne aussi a un pantalon coupé. La païenne a une chevière. La chrétienne aussi a une chevière.
La païenne a boucle d'oreille ici, 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 ici. La chrétienne aussi a ça. Mais comment veux-tu qu'elle se convertisse? Les gens sont impactés par ce qui est différent d'eux. Toi, tu n'es pas différent d'elle. Comment tu veux que tu aies de l'impact sur sa vie? Imaginez moi-même les pasteurs. Vous me voyez sur internet, je me comporte d'une manière. Vous me voyez, des fois, je suis en shorts. Comment on appelle ça, bras cassés? Donc un habit où on voit les épaules ici. Comment on appelle ça ici? Non, pas les démembrés. Un débardeur, un truc comme ça. Donc tu me vois les pasteurs avec ça, avec un shorts. Tu vois ma cuisse avec le tennis. Je suis en train de faire au nom de sport. Je fais les sports. Je pêche pas, hein? Je fais le. Les sports, c'est un péché. Mais j'ai fait les sports. Mais tu vois la cuisse du pasteur. Et puis viens. Jésus vous aime dimanche. Quand on dit Jésus, tu vois seulement la cuisse du pasteur. Est-ce que j'ai mort? Mais est-ce que toi et moi, on est différents? Non. Autant je suis serviteur de Dieu devant Dieu, autant tu es aussi serviteur de Dieu. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de clergé et de laïc. C'est dans l'Ancien Testament qu'il y avait cette différenciation-là. Dans la nouvelle alliance, devant Jésus, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Maintenant, comment moi j'ai plus d'impact que toi? Parce que je ne veux pas être identique aux païens. Je m'efforce d'être différent. Mais toi, tu n'es pas différent. Quand tu vas dans une boutique acheter un habit, on te présente la robe et tu dis, il n'y a pas un peu plus courte que ça? Ah, tu vois, là, il fait chaud. Il n'y a pas un peu plus foulard que ça, il n'y a pas. Comment veux-tu vraiment que cette vendeuse-là accepte ton Jésus? Mes frères sont des fois réalistes, non? Des fois on crie, l'église ne grandit pas, mais quel genre d'homme nous sommes? Quel genre de sémence avons-nous que les hommes vont accepter ça? Tu dis, oh, mon restaurant ne grandit pas, les gens ne viennent pas. Mais fais une introspection sincère. Quel genre de service tu fournis pour que les gens soient fidélisés dans ton restaurant? Quand on voit tes serveurs parlent mal, quand on commande la nourriture, ça vient après 2 heures du temps, on voit tout n'est pas bien, mais comment veux-tu que les gens viennent? Et aussi à l'église, on voit que nous ne sommes pas des bons chrétiens, des bons disciples. Mais comment nous voulons que les gens viennent? C'est dans la famille que la personne, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, mamie Japap, c'est la chrétienne qui est à l'intercession, c'est elle qui est la mamie Japap de la famille. Quand il y a un problème dans la famille, c'est elle la fibre optique, elle transmet ça à tout le monde en quelques secondes. Quand il y a un problème à quelque... Vraiment, ça vraiment j'aimerais même dire. Vous-même, vous êtes des enfants de Dieu. Vous parlez avec des païens, vous critiquez l'église avec des païens. Quel genre de chrétien tu es, vraiment? Aurais-tu vu un ministre, un homme en tenue, parler de leurs choses de travail avec un civil? Mais tu es avec un païen, tu es en train de critiquer la prédication de ton pasteur avec un païen. Comment veux-tu que ces païens-là croient à ton Jésus? Toi-même, tu es en train de casser ton Jésus, mais tu veux qu'elle se convertisse. Non, et sache que si ces païens restent endurcis, ça sera un jugement sur ta vie. Des chrétiens sans impact. Un enfant qui attrape la sorcellerie de 7 ans a plus d'impact que toi. Parce que quand cet enfant mange la sorcellerie, il va bloquer la famille, il va amener la maladie dans la famille, les problèmes. Mais toi, tu as reçu Jésus, aucun impact. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Aussi, autre chose, autre cause que j'ai découvert, c'est de l'égoïsme, dites égoïsme. Ça semble banal et trop bizarre. Mais quand on est égoïste, nous aimons beaucoup notre propre vie, on ne saura pas impacter les autres. Imaginez-moi, j'avais beaucoup aimé ma vie. Je suis congolais, né au Congo, grandi au Congo. Avec l'âge que j'ai acquis les habitudes que vraiment enracinaient. La nourriture, la culture. Toute ma vie bâtie au Congo, à Kinshasa. Et Dieu dit un jour, quitte ta nation, quitte sa patrie. Prends tout, va vivre à Douala, au Cameroun. Ce n'était pas que la mission pour moi. C'était me détacher de tout ce que j'ai bâti depuis des années.
me séparer de ma famille, de ma culture, de tout. Et si je n'avais pas, j'avais aimé ma vie plus que l'appel de Dieu, vous ne serez pas là aujourd'hui. Et donc, lorsque le chrétien est égoïste, il ne voit que sa vie, sa vie, sa vie. Il est en train d'empêcher la multiplication des justes. Nous avons prié pendant 36 jours. On a mis des requêtes ici. Demandons la main de Dieu, ceci, cela. S'il faut que je vienne déplier ces requêtes de prière, est-ce que je trouverai même un seul sujet pour le salut des âmes? Je vais le faire. On va voir avec vous. J'ai lu ça devant tout le monde. Mais je ne cite pas ton nom. Ben, ce n'est pas elle. Hein? Regardez ce que la Bible dit, mes frères. Jean chapitre 12, le verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Je lis la même portion dans la version Parole de vie pour avoir un peu plus de lumière. La Bible dit ceci, celui qui aime sa propre vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie, elle vivra avec Dieu pour toujours. Ça veut dire quoi ici? Les Écritures nous disent, si quelqu'un dans ce monde aime beaucoup sa vie plus que aimer Dieu, elle perdra sa vie, cette personne. Mais si cette personne dans ce monde, il hait sa vie pour aimer Dieu, c'est quand cette personne retrouvera sa vie dans la vie éternelle. Lorsque vous êtes trop égoïste, ma vie, mon mariage, ma maladie, mon problème, mon ceci, mon cela, tu te concentreras sur ta propre vie sans que tu impactes les autres vies par ta prière. J'ai remarqué ceci. Lorsque nous nous concentrons beaucoup sur un problème qui nous accable, on voit les problèmes être plus intenses. Mais quand nous oublions ça pour avoir autre chose, l'effet de ces problèmes diminue dans notre vie. Regardez ceci. Les gens qui rentrent dimanche là, qui viennent au premier culte, 9h30, ils sont à la maison. Les jeunes, ils viennent long, n'est-ce pas pour vous, non? Tu vas 20h loin. Même les gens qui quittent l'église le dimanche, après les cultes à 12h30, il va. Il est devant la montre seulement, il attend. Tu as l'impression que les aiguilles là ne marchent plus. Hier, je suis resté jusqu'à 19h à l'église. Nous qui avons été jusqu'à 19h, on n'a pas vu le temps passer. Parce que nous n'avons pas concentré nos énergies sur notre propre vie. Et puisque nous n'avons pas eu nos yeux braqués sur notre propre vie, nous n'avons pas été touchés par les problèmes que la vie peut nous donner. Vous comprenez ça? Lorsque vous aimez trop votre vie, au détriment de la vie que Dieu a prévue pour vous, vous êtes en train de vous éloigner de l'allègement que Dieu pouvait apporter sur votre vie. Celui qui aime beaucoup sa vie la perdra. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, le verset 24 du chapitre 20. L'apôtre Paul est en train de dire, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et les ministères que j'ai reçus du Seigneur Jésus. » C'est quoi ces ministères? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Lorsque tu aimes trop ta vie, sans penser à donner de la joie aux autres, de rencontrer aussi Jésus, tu es en train d'être malheureux. L'apôtre Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. J'ai même remarqué des fois quand on prie, c'est très fort en l'homme, on peut dire on va prier pour le salut des âmes.
Ribababa, Seigneur, sauve les âmes, sauve les noirs, les blancs, les américains, les camerounais, les ivoiriens. Seigneur, pense aussi à mon problème. Si tu n'agis pas, comment je vais faire? Les modérateurs ont dit, fais un prix pour les saluts des âmes. Tu reviens. Dieu sauve les âmes, délivre. Jésus, je n'ai pas appelé l'oreille. Si tu ne donnes pas, je vais faire comment? Et les modérateurs ont dit, frère, prie pour les saluts des âmes. Frère, c'est comme la sorcellerie en toi. C'est plus fort, tu ne peux pas t'en passer. Même si on prie pour quoi, toi tu finis toujours moi. Pense à moi, Jésus. Est-ce que je mens? Tu te connais, non? Est-ce que tu peux faire un culte entier sans prier pour toi? C'est trop dur parce que tu es égoïste. Tu ne vois qu'à ta vie. Vous savez que prier pour le salut des âmes peut aussi avoir des conséquences positives sociales. Peut-être c'est lui qui doit t'engager et encore païen. Il doit se convertir pour qu'il t'engage dans son entreprise. Mais non, toi, tu ne pries pas pour sa conversion. Tu resteras chômeur. Ma soeur, peut-être que ce n'est pas un esprit de célibat. C'est un problème de conversion. Peut-être que l'homme qui doit t'épouser est encore païen. Mais toi, tu coupes les liens qui n'existent pas. Tu chasses les démons, les célibats qui n'existent pas. Prie seulement, Seigneur, convertis les âmes. Dans les âmes, là, il y a l'âme qui est pour toi dedans. Donc, lorsque nous sommes trop égoïstes pour nous-mêmes, nous sommes en train d'empêcher à Dieu aussi de nous bénir. Et souvent, les égoïstes, c'est comme ça. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, un poste, on voit comment vraiment l'égoïsme sent en vous, est en vous. Comment on explique un ministre? Tu as une fonction, un mois après, tu as beaucoup de villas. Tu as pris ça comment? Tu es égoïste. Si déjà tu es égoïste pour ta petite vie, sache que le jour où tu auras des grandes responsabilités, ton égoïsme-là va se manifester. Si tu es égoïste déjà pour, tu es célibataire, les jours que tu seras marié, tu seras aussi égoïste. Samson envoie des couples. Les messieurs est endimanché. Très bien sapé. Sa femme, c'est comme si c'était sa secrétaire, sa bonne. Les messieurs peuvent voir plusieurs chaussures. Ils sont très bons. Sa femme sent les jansans. Égoïsme. Parce que tu as commencé ça depuis longtemps. Ça va te suivre après. Les messieurs peuvent aller manger à la pause. À Zépol, à la pause, à Paul, à la pause, à Maison H. Mais sa femme est en train de manger les beignets haricots, BHB. Lui, il peut aller être dans les endroits vraiment très bien parce qu'il a ses collègues. Mais à la maison, les enfants mangent vraiment. Ça, c'est l'égoïsme. Et donc, à cause de cet égoïsme-là, nous n'arrivons pas à aller vers les autres. Parce que nous nous aimons beaucoup. Or, la Bible dit, celui qui aime trop sa vie la perdra. Aujourd'hui, si Dieu me prenait, je serais au moins content d'avoir mis en vous un peu de ma sémence. Parce que je n'ai pas été égoïste. Si j'ai été égoïste, si je meurs, mon histoire s'arrête là. Mais si je n'ai pas été égoïste, même si Dieu me prend après 80 ans, on verra dans certaines vies, ma petite vie vivre encore en eux. Parce que je n'avais pas aimé ma vie plus que tout. Et donc tu vois, quand tu aimes beaucoup ta vie, sans aller multiplier les justes en apportant les messages de l'évangile aux autres, tu es en train de réduire ta vie qu'à toi, les jours que tu mourras et que toi. Et même les gens des fois sont égoïstes à l'église. Il ne salue personne, il est l'ami des personnes, lui c'est seulement les pasteurs. Les autres là, ce ne sont pas ses frères et sœurs, lui c'est seulement les pasteurs qui sont frères dans le Seigneur. Et il va se plaindre, pasteur, j'étais malade, personne n'est venu. Mais tu es l'ami que des pasteurs. Pasteur, j'ai été en DE, personne n'est venu me consoler. Mais tu n'as été l'ami des pères, tu as été égoïste à l'église. Et certains, les jours de leur mariage, ils aimeraient que l'église soit remplie comme ça. Non, je vais te dire ça. Tu seras ici, toi, moi, ta femme, papa Luc, la chorale et les protocoles. Point, barre. Oh, toi, tu crois que tous ces gens viendront parce que tu te maries? Tu crois vraiment à ça?
Qu'est-ce que tu fais d'important dans leur vie pour qu'ils viennent? Mais il faut qu'on te dise la vérité, non? Qu'est-ce qui fera en sorte qu'il arrête ce qu'il fait un samedi pour venir s'asseoir 2 heures pour toi? Qu'est-ce que tu fais dans leur vie pour qu'ils viennent dans ton mariage? Mais il y a des gens ici, les jours qui vont se marier, l'église sera pleine. Il y a des gens ici, les jours qui vont être dans un problème. On va tous intervenir. Toi, si tu es dans un problème, je suis le seul à venir. Parce que pour toi, mon frère, c'est seulement les pasteurs. Alors que tes frères sont à tes côtés. La preuve, tu ne connais même pas les noms de celui qui est assis à tes côtés. Égoïste. 30 secondes, demande ton nom, vite, vite, vite. Profites-en, demande comment il s'appelle, le frère, la soeur. Je n'ai pas dit « rire », je dis « demande son nom ». Alléluia. Une autre cause qui nous empêche de nous multiplier. Gardez à l'esprit que la multiplication nous permet de faire venir le règne de Dieu. Donc ça veut dire si nous ne traitons pas ces causes, nous ne pouvons pas faire venir le règne de Dieu. La troisième cause. Ah, avant que j'aille à cette troisième cause. Regardez un peu ce que la Bible dit dans le texte que nous avons lu, dans Luc chapitre 5. Le verset 1er au verset 5. On nous parle ici de la pêche miraculeuse. Les Écritures, ces versets commencent avec un besoin de Dieu. La Bible dit dans le verset 1er, « Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac et que la foule le pressait pour entendre la parole, l'évangile. » Donc il y avait un besoin de multiplier les justes ici. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il voit au bord du lac 2 barques. Il choisit la barque de Pierre. Il entre dedans et il commence à prêcher. C'est vraiment assez bizarre. Jésus, tu ne savais pas que cette barque appartenait à Pierre. Il y avait 2 barques, Jésus, n'est-ce pas? Regardez très bien. Pourquoi Jésus, tu as seulement pris la barque de Pierre? Et Pierre, il est quel genre d'homme? Un homme qui a pêché toute la nuit sans avoir pris un seul poisson. Donc Jésus est en train de demander à quelqu'un qui souffre de ne pas s'occuper de sa vie pour que sa vie serve à l'avancement du royaume. Jésus, ce n'est pas de la méchanceté ça. Il y avait 2 barques. Peut-être l'autre monsieur avait beaucoup déjà pêché, mais Pierre s'est battu. Il a fait toute la nuit, il n'a même pas eu un frétin. Jésus, tu es omniscient, n'est-ce pas? Donc tu devrais savoir que Pierre est en train de souffrir. Tu devais laisser le temps même à Pierre d'aller, ces temps-là d'aller pêcher, non, Jésus? Mais Jésus vient dans la vie de Pierre, avec les problèmes que Pierre avait, et dit à Pierre, il faut qu'on multiplie les justes. Ton problème, des fois, tu penses que pour que tu ailles évangéliser, tout doit aller bien dans ta vie. Pierre, tout n'allait pas bien dans sa vie. Hein. Pierre avait des problèmes dans son entreprise. Dans sa poissonnerie, Pierre avait une crise. Et je vous ai dit que Pierre, dans son entreprise, il avait un personnel qui dépendait de lui. Il y avait des collaborateurs qui dépendaient de lui. Donc, si Pierre, sa vie d'entreprise ne marche pas bien, il y a des familles qui ne mangent pas. Il y a des enfants qui n'iront pas à l'école. Il y a des loyers qui ne seront pas payés. Donc, il y avait tous ces gros problèmes sociaux-là. Malgré ces problèmes sociaux, Pierre n'a pas aimé sa vie plus que l'évangile de Jésus-Christ. Les problèmes avec nous, quand on a un petit problème, on ne vient pas à l'église. C'est au lieu même de venir vers Jésus, nous on s'éloigne carrément de Jésus. Je connais dans cette église une sœur comme ça. Elle a fui parce qu'elle avait des problèmes. Alors que c'est le moment même de venir vers Jésus. Parce que si lui ne traite pas tes problèmes, qui d'autre traitera tes problèmes? Pierre avait cette révélation de Paul, « Je ne fais aucun cas de ma vie. » Toi qui es dans le problème, tu dois faire aucun cas de ta vie. Que tu sois malade, que tu manques de l'argent, que tu aies un problème social, un problème spirituel, un problème financier, tu ne dois pas traiter ta vie au détriment de l'avancement du royaume de Dieu. La troisième cause, c'est le manque de transformation. J'aimerais finir par là ce soir. Le manque de transformation. Le manque de transformation nous empêche
de nous multiplier. Ça veut dire, celui qui va prêcher aux autres, lui-même n'est pas changé. Et puisqu'il n'est pas transformé, il ne peut pas s'attendre au changement des autres. Vous avez un problème et vous allez voir un médecin. Le médecin fait les mêmes choses que toi, mais qui t'interdit de faire ça. Tu auras du mal à respecter ses conseils. Parce que lorsque nous ne sommes pas transformés, on aura du mal à transformer les autres. Un médecin qui te dit, tu ne dois pas prendre la cigarette, ça va détruire tes poumons. Mais lui-même, il fume. Tu auras du mal. Parce que lui-même n'est pas transformé. Un pasteur qui te dit, donne les offrandes à Dieu. Lui-même, il ne donne pas les offrandes à Dieu. Tu auras du mal à donner aussi à Dieu. Un pasteur qui te dit, tu dois avoir une vie de prière. Lui-même, il ne prie pas, il ne prie pas, il ne dégage pas Dieu. Tu auras du mal à avoir la vie de prière. Un pasteur qui vit dans l'impudicité, il te dit, arrête l'impudicité. Même si tu veux, tu ne pourras pas. Parce qu'il devient en ce moment-là la contradiction de ses conseils. Sachez, mes frères et sœurs, que nos paroles sont soutenues par notre style de vie. Prêche la sainteté comme tu veux. Si tu ne vis pas ce que tu prêches, on ne croira pas. Parce que nous nous reproduisons selon notre espèce. Les gens ne deviennent pas ce qu'on leur prêche. Les gens deviennent ce que nous sommes. Si je ne vis pas dans la sainteté, même si je vous gueule ici, même si je vous prêche à outrance la sainteté, vous n'aurez aucune envie de craindre Dieu. Mais si ma vie secrète, je crains Dieu, si je te dis, frère, arrête le péché, il y aura une influence qui est dans ma vie qui viendra t'influencer pour arrêter les péchés. Je vais dans une église, je vois que c'est pauvre. Il n'y a que deux choses. Soit c'est Dieu qui leur fait passer par une épreuve, soit c'est les pasteurs qui ne donnent pas lui-même à Dieu l'argent. Je vais dans une église, je vois que l'église là, les gens tombent dans les péchés, impudicité. Soit c'est une épreuve que Dieu les amène, soit c'est vraiment une vraie attaque de Satan, soit c'est lui-même les pasteurs qui ne craignent pas Dieu. Parce que nous déversons l'esprit qu'il y a sur nous. Si j'ai un mauvais esprit sur moi, vous aurez cet esprit là, vous tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aimerais un jour rencontrer les premiers Africains au ciel. Lui poser un peu des questions. Comment est-ce qu'il avait fait pour qu'on soit nous tous comme on est aujourd'hui? Rencontrer les premiers Congolais qui nous expliquent l'esprit-là de sapologie, des maîtres rouges, bleus, oranges. Ça te venait d'où dans la tête? Quand tu vois un Congolais, tu vois vraiment. Hey, ce sont les arcs-en-ciel ou quoi? Certains sont, ils font pire. Il met une cigarette, mais qui n'est pas allumée. Certains sont même pires. Il marche avec sa valise. Oh, vous n'avez jamais vu ça? J'ai appris qu'il y a une tribu ici qui sont comme nous. Je ferme la parenthèse. Et moi, j'aimerais, si vraiment il va hériter le ciel, un jour, que Dieu, après avoir vu Jésus, après avoir vu Abraham et Paul, cherche un peu les premiers Congolais. Il est où? Comment tu avais fait pour influencer toute une génération comme ça? Ça, c'est pour ma part, mais aussi pour votre part. Il faut voir les premiers Camerounais, mes frères. Qu'il est conseil des Camerounais un peu au ciel. Dieu permet nous. On ne fera pas la rébellion ici. Mais permet de discuter entre frères, entre compatriotes. Qu'on nous explique pourquoi on est toujours indomptable. Pourquoi on a du mal à nous diriger. Pourquoi on a tout le temps raison. Messieurs, raison. Est-ce que j'aime ce que je dis? Si tu rencontres un Camerounais qui a tort, il doit être le fils de Dieu en personne. Vraiment, que Dieu m'aide à avoir un chauffeur, parce que conduire, ça devient pour moi un grand brisement. Donc, quelqu'un qui conduit mal, tu n'as pas le droit de klaxonner. Tu n'as pas le droit. Un motoman qui conduit mal, tu ne peux pas klaxonner sur lui. La route, là, il l'a construite avec le chef de l'État. Des fois, même pas un motoman, les passagers même lui-même, tu n'as pas le droit. C'est ce que je dis, c'est vrai, n'est-ce pas, non? Vraiment, pourquoi vous êtes comme ça, mes frères? Hein? Klaxonner n'est pas une insulte. Ça veut dire que dégage le passage, c'est tout. Mais est-ce que vous devez seulement réagir? C'est sérieux, il faut qu'on les rencontre un jour au ciel.
Il avait quel esprit pour influencer toute une génération comme ça? Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 12, le verset 24. Vous me donnerez aujourd'hui un peu plus de temps, s'il vous plaît. La Bible dit, or, je vous le déclare, c'est le Christ qui parle. Non, je lis d'abord ça dans la version Louis Segond. Elle est moins explicite. Et puis je vais lire ça dans la version, la nouvelle version Segond en français. La Bible dit dans Jean chapitre 12, le verset 24. Ce sont les paroles du Christ. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà la même portion dans d'autres versions, la nouvelle Bible du français courant. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure. Il ne reste qu'un simple grain, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. La version parole de vie, vraiment je vous le dis, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne passe pas par la mort, il reste ce qu'il est, un grain unique. Par contre, s'il meurt, il donne naissance à d'autres grains et il porte du fruit en abondance. Lorsque les porteurs de l'évangile, il est vivant. Un vivant ne peut pas engendrer d'autres personnes. C'est Jésus mort qui a engendré l'Église. Tant que Jésus était vivant, l'Église n'était pas encore engendrée. Et tant que vous resterez vivant, ça veut dire tant que vous ne serez pas transformé, tant que la croix de Jésus dans votre vie ne va pas vous transformer, ne va pas enlever le côté orgueilleux, ne va pas enlever le côté impudique, ne va pas enlever le côté impulsif, ne va pas vous clouer à la croix. Quelle que soit la pertinence de votre évangélisation, vous n'allez pas produire les disciples de Jésus. Ce sont les morts qui produisent d'autres disciples de Jésus. Tu es dans ton travail, on connaît que c'est l'orgueil de tous les bureaux ici. Mais c'est toi qui veux prêcher à tes collègues, ils ne vont pas se convertir. L'humilité pour toi, ça n'existe pas. L'amour pour toi, ça n'existe pas. On sent que ton caractère te domine. Frère, sœur, quoi que tu fasses, quoi que tu prêches, les gens ne vont jamais se convertir. Jacques Vernon un jour a dit, un homme au charisme élevé, avec un caractère sous-développé, les caractères sous-développés finira par assassiner les charismes élevés. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Un homme qui est rempli des dons spirituels avec un sale caractère, son sale caractère finira par détruire ses dons spirituels. Vous connaissez ces hommes de Dieu qui ont beaucoup de dons spirituels, mais qui ont un problème de caractère. Quand ils prophétisent, quelle précision chirurgicale! Il peut te dire des choses des années. Tout ce qu'il prophétise, ça arrive. Mais les gens n'aiment pas être proches de lui parce qu'il a un problème de caractère. Quand il prêche, quel bon discours, quelle prédication. On aurait cru que c'est Jésus. Mais quand il descend seulement, quelqu'un d'autre, invivable, insupportable, asocial même, parce qu'il est vivant. Mais les hommes morts se multiplient. Les hommes brisés se multiplient. L'œuvre de la croix, mes frères et sœurs, a le principal rôle de nous transformer d'abord. On ne peut pas dire qu'on a rencontré Jésus et il n'a pas changé ta vie. Et je ne parle pas du changement de te rendre riche d'abord, non, de transformer ton caractère. On voit un homme impulsif, quand il s'est converti, devient un homme calme, rempli de dons et de maîtrise de soi. Un homme brutal, lorsque Jésus passe par sa vie, on voit qu'il devient un homme doux. Un homme colérique, lorsque la croix de Jésus passe par sa vie, on sent que Jésus a brisé cette graine de la colère. C'est quand les hommes vont vraiment se convertir, vous savez ça. Les hommes n'ont que faire de tes paroles. Oh, je suis chrétien, ils n'ont que faire de ça. Les hommes veulent voir la vie.
Ils veulent voir la vie. Regardez un jour, la Bible dit, les disciples, ils étaient en train de vivre leur vie chrétienne dans une ville qu'on appelle Antioche. Et les peuples de cette ville, ils ont remarqué leur style de vie. Et ils ont dit, assurément, ce sont les chrétiens. Les disciples ne se sont jamais fait appeler des chrétiens. Mais leur brisement, leur transformation, les gens ont su. Frères, sœurs, un cadavre sent toujours. Si tu es mort, on sentira que tu es mort. Ta femme va témoigner que depuis que tu as Jésus, tu as changé. Ton mari doit témoigner depuis que tu pries, tu as changé. Tes enfants doivent dire, mais c'est une autre maman, on ne la reconnaît pas. Qu'est-ce qu'on a fait de notre mère? Tes collègues au travail doivent être étonnés, mais qu'est-ce qu'on a fait? Il faut qu'ils disent l'expression là, ça sera quand ça prendra même son sens. On t'a lavé le cerveau. Les gens ne se convertissent pas parce qu'ils nous voient à l'église, mais on est le même dans la société. Impulsif, insolent. La femme qui prie beaucoup. Elle manque du respect à son mari. Maman, écoutez ceci. Même si ton mari, c'est un païen, tu lui dois le respect. Tu lui dois la soumission. La soumission à la limite de la parole de Dieu. S'il te dit, on va en boîte, là, c'est mauvais. Il ne faut pas faire ça. Mais si il réclame la soumission normale d'une femme pour un mari, tu lui dois. Même si tu vois les anges, tu lui dois la soumission. Comment ton mari païen va se convertir? Il te trompe, toi aussi tu te lèves, je veux le tromper. Tu n'es pas morte. Tu ne sens pas. Un jour, mes frères et sœurs, je m'ai converti. Et vous savez, lorsqu'on est les premiers chrétiens dans la famille, on a l'impression que les autres membres de famille qui ne sont pas encore chrétiens n'attendent que ta chute. Ils te disent, on te donne 2 mois et puis on verra ce que tu deviendras. Et j'avais mes sœurs qui n'étaient pas encore converties à l'époque. Elle n'attendait que voir ma chute. Une de mes soeurs, vraiment, elle, c'était comme si c'était le capitaine de l'équipe. Tout, vraiment, elle, j'avais les macabres, comme on dit. Je vais voir les pasteurs Marcelo. Je voulais un réconfort d'un homme spirituel. Pour dire vraiment, papa, ça, c'est des trop. J'avais envie de dire, je ne vais pas qu'elle voit mon côté païen. Un chrétien qui dit, donc il a un côté païen. Un chrétien qui dit, j'ai un côté païen. Vous connaissez les chrétiens comme ça, non? Tu veux voir mon côté païen? Un chrétien qui a un côté, vous rendez compte? Un homme qui a un côté femme, vraiment. Un feu qui a un côté eau. J'ai dit au pasteur, vraiment là, je ne supporte pas. Ma soeur me met les bâtons dans le roues. Très sincèrement, je m'attendais à ce que les pasteurs Marcelo me soutiennent parce qu'on est tous des hommes spirituels. Il m'a dit, parce que tu es vivant, si tu étais mort, tu n'aurais pas réagi à ces problèmes. Il m'a dit, un homme mort, même si on l'insulte, il ne réagit pas. Même si on le provoque, il ne réagit pas. Même si on... Un homme mort est mort. Un mort ne bouge pas. Quand il m'a dit ça, j'ai réalisé que j'étais chrétien, mais j'étais vivant. Je n'étais pas assez transformé. Je pouvais réagir, je pouvais avoir la haine dans mon cœur. Je pouvais avoir la colère dans mon cœur. Je peux avoir l'orgueil dans mon cœur. Mon âme n'était pas totalement changée par la parole de Dieu. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à prier différemment. J'ai compris que si Jésus ne me tue pas, je ne peux pas aller plus loin. Si Jésus ne me tue pas, je ne peux pas amener pour lui d'autres personnes. Il fallait qu'elles voient à la maison. Elles font tout pour me réveiller. Je ne suis plus là, je suis mort. C'est comme ça qu'elles vont croire en moi. Ma soeur croit en moi. Ma mère croit en moi. Ma soeur paye la dîme chez moi. Et elle viendra avec ma mère ici pour prier. Elle va quitter le Maroc pour prier ici. Parce qu'elle croit que ça, c'est un mort. Il est mort. Le Marco qu'on connaissait en famille, ce n'est plus le même Marco. S'il y a un endroit qu'on doit voir ton témoignage, ce sont les gens qui t'ont connu avant de te convertir. Qu'est-ce que ces gens-là disent de toi? Qu'est-ce que ton mari dit de toi? Tu dis que je n'arrive pas à gagner les âmes, mais l'âme que Dieu a mise à tes côtés, comment elle n'arrive pas à se convertir? Parce que tu es vivant. Et je vais te dire quelque chose. Des fois, les personnes, en guillemets, méchantes, c'est la stratégie de Dieu pour nous rendre brisés. Des fois, Dieu peut mettre à tes côtés quelqu'un. Tu as l'impression, tu aurais aimé
que ça soit un collègue que tu ne vois pas tous les jours. Mais tu as l'impression que Dieu t'a puni. Tu es tous les jours avec la même personne qui t'irrite, qui t'énerve. Tu sais même quand tu jeûnes là, quand tu rentres, il va t'énerver. C'est ça ton école. Change la manière de voir cette personne. C'est quand tu vas apprendre bien la matière de Dieu. C'est quand tu vas avoir une bonne note dans ces cours-là, à l'école de Dieu. Et quand on est trop vivant, on est comme un grain. J'aime beaucoup l'expression que la Bible utilise dans la nouvelle Bible de français courant. La Bible dit, lorsqu'un grain est vivant, lorsqu'il tombe en terre et il refuse de mourir, la Bible dit, il reste qu'un simple grain. Un simple grain. Je l'ai souligné dans ma prédication. Un simple grain. Lorsqu'un chrétien n'est pas brisé, il reste un simple chrétien. Lorsqu'un chrétien n'est pas transformé, il reste un simple chrétien. Aucun impact. Aucune transformation. Quelle est la vie qui peut dire vraiment ta vie de prière m'a enseigné à prier? Qui peut dire vraiment ta vie de discipline m'a enseigné à prier? Si je mettais une soeur vivre avec toi, ma soeur, toute la vie, est-ce que la soeur là sera transformée positivement ou négativement? Mon frère, si j'envoie dans ta maison un frère pour habiter avec toi, est-ce que ce frère va vraiment se dire il est enfant de Dieu? Tout ce qu'on fait à l'église ici, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est que ce que nous faisons à l'église, que nous le fassions dans le monde. C'est dans le monde que nous amènerons un impact pour le royaume de Dieu. Tu es un homme saint ici, ça ne sert à rien. Tu ne nous impressionnes même pas. Tu pries beaucoup, ça ne change rien. C'est dans le monde là que Dieu nous envoie en mission. C'est là où il y a tes frères païens, tes parents païens, ton mari païen, ta femme païenne. C'est là. Je te dis, c'est là ton champ d'évangélisation. Je te dis ça autrement. C'est par lui que Jésus va te couronner. C'est par ce mari païen, cette maman païenne, ces parents païens là, que Jésus veut te voir manifester la transformation. Les mariés seront d'accord avec moi. Il est très difficile d'avoir une paix dans un couple de messieurs et madame raison. Tout le monde, chaque partenaire veut tirer les draps de son côté. Mais on n'aura pas la paix dans un couple comme ça. Il faut que quelqu'un accepte que j'ai tort, même s'il a raison. Pour la paix qu'il accepte d'avoir tort. Pour arriver à ce niveau, tu dois être brisé. Tu dois mourir. Mais un groupe de gens trop vivants, ils ont trop l'ego. Leur ego, c'est au-dessus d'eux. Mais vous aurez un couple toujours malade. Si déjà, votre couple dépend de la capacité de votre transformation, à combien plus forte raison multiplier les disciples dépendra également de votre niveau de transformation. Vous êtes trop vivant aujourd'hui. J'étais sur Instagram. Je vois une sœur qui m'a identifié, voilà. Et généralement, avant de reposter quelque chose, je vais sur le profil de la personne pour ne pas reposter quelqu'un qui peut salir mon image. Je vous dis, elle se disait être chrétienne. Mais la façon dont elle s'habillait sur les réseaux sociaux. Comment tu peux expliquer, toi, tu es chrétienne? Nous tous ici, on connaît la couleur de ta cuisse. Vraiment, quel genre de chrétienne tu es? Tu es une mondaine. Quel genre de chrétien tu es, vraiment? Ça prouve qu'on n'est pas transformé. Mais c'est nous qui voulons être vendus par Dieu, être promus par Dieu. Frère, sœur, Dieu ne veut pas voir la honte. Il veut être sûr que quand il va te promettre, il va te recommander, qu'on ne va pas l'insulter. On ne va pas dire à vos chrétiens là. Il va être sûr que quand il va t'envoyer pour le mariage, qu'on ne regrette pas de t'avoir épousé. Et ces manques de transformation nous empêchent de multiplier les chrétiens. Je vous dis, mes frères et sœurs, les païens n'ont pas peur qu'on leur brèche. Parce qu'il y a des païens qui connaissent la parole de Dieu. Mais les païens qui connaissent ces versets, ils n'ont pas la vie que ces versets ont. Et donc, ce qui mettra une différence, c'est la vie que tu manifesteras. Mais quand les païens te voient, vous dites Matthieu, lui aussi dit Matthieu. Mais quand c'est la pratique, vous n'êtes pas différent. Quand je parle ici, ma soeur, boucle d'oreille ici, tu me vois comme un idiot. Mais regarde jusqu'où tes histoires-là peuvent emmener que les gens ne se convertissent pas.
Parce qu'une peine s'habille comme toi. Une peine a un chouquet dit comme toi. Mais comment? Tu n'es pas brisé, tu n'es pas transformé. Et même les églises, nous n'arrivons pas à gagner les chefs, les autorités, parce qu'on n'est pas brisé, homme de Dieu, ayant un don spirituel, détenteur d'un don spirituel. Ton don spirituel ne t'amène pas loin. Pourquoi? Parce que tu n'es pas brisé. On sait que quand tu prophétises, à la fin, tu vas demander l'offrande. Tu n'es pas brisé. Ça fait que nous aimons tes prophéties, mais on n'aime pas que tu sois proche de nous parce qu'on sait que tu n'as pas été brisé. La cupidité là n'est pas brisée en toi. Les autorités, ils ont même peur de nous recevoir dans leur bureau. Parce qu'ils nous ont étiquetés. Ils savent que quand on vient, on va dire tout ça et puis on va demander l'argent. Nous étions un jour avec papa Vidal, maman Johanna. On est allé voir une autorité administrative. Et les jours qu'il me reçoit, on était seul à seul dans son bureau. Je lui ai dit, Excellence, je ne suis pas venu te voir pour te demander l'argent. Non plus, je n'ai pas un message pour toi. Mais j'ai un croisade que je dois organiser. Et Dieu t'a établi comme l'autorité de cette région, de cette nation. C'est pour ça que je viens vers toi pour avoir ta bénédiction. Point barre, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'appelle même pas. On m'a arrêté par là. Je ne l'appelle même pas. Et je suis sûr qu'il n'est pas idiot. Il sait que beaucoup d'hommes de Dieu viennent à ses côtés. Après, il demande. Je vous dis, frère, devant Dieu, je n'ai jamais pris même un seul franc de ces messieurs-là. Même pas un seul franc. Même quand l'église a des problèmes, jamais on l'appelle. Jamais, même pas une seule fois. C'est quand ils voient qu'on est différent. Ils vont, un jour, je l'invite, il viendra à l'église. Parce qu'il verra qu'on est différent. Un jour, sa femme est venue ici. 3 fois. Parce qu'elle a vu qu'on est différent. Et vous savez, le pire, c'est quoi? C'est qu'un jour, quand elle vient, elle fait 3 tours, l'église était fermée. Je reçois une convocation. Je me fais représenter. Vous savez, on m'a convoqué pourquoi? Parce que la femme du chef venait vous voir pour vous donner une offrande. Vous êtes fermé. Tu as déjà reçu une convocation d'offrande. J'ai envoyé quelqu'un, il est allé là-bas, il s'est excusé. Et puis il a pris l'offrande, il l'a ramené à l'église. Ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas idiots. Ils savent voir que lui, il transpire tout ça. À la fin, ils vont demander l'argent. C'est comme ça notre ministère, c'est limite ici. Ici, parce qu'on n'est pas transformé, on n'est pas brisé. Mes frères, sœurs, ce sont ces choses qui sont basiques et fondamentales. Si nous ne cherchons pas ce que Dieu applique ces choses dans nos cœurs, on va beau crier Jésus, le Cameroun ne sera pas changé. On va beau crier Jésus, nos familles ne vont pas donner sa vie à Jésus. On va beau crier Jésus, nos maris ne se convertiront jamais. Ils ont besoin de voir que ça, Jésus a fait un travail. Une femme que je suis en train de gérer depuis un moment, dans son couple, c'est vraiment un problème. Elle vient même plus à l'église, vraiment, c'est compliqué. Elle prie beaucoup. Depuis qu'elle prie beaucoup, je remarque que Dieu a commencé à beaucoup la changer. Mais dommage, son mari ne voit pas son changement. Elle m'écrit pour me dire dernièrement qu'elle avait eu beaucoup d'envie sexuelle pour son mari. Elle ne savait pas quoi faire. Je dis, mais il faut aller. Ton mari doit savoir que ce qui lui revient de droit, même quand tu rabats Chakala, tu peux lui donner. C'est quand il va se dire, mais malgré que je lui fais tout ça, elle se comporte comme la Bible le veut. C'est qu'elle a changé. Mais que les femmes, vous punissez vos maris. Non. Arrêtez de faire ça. Vous êtes trop vivant. Vous êtes trop vivant. J'aimerais finir en disant ceci. Un jour, il y avait un homme qui priait, il disait à Dieu, Seigneur, donne-moi d'avoir un impact dans l'univers entier. Je veux que tu donnes l'univers entre mes mains. Tu as dit, vous irez partout dans le monde après apporter l'évangile. Seigneur, donne-moi d'aller en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie, en Afrique. Donne-moi d'aller dans tous les pays du monde pour apporter ton nom devant les nations. Il a prié, il a prié, il a prié. Dieu n'a pas exaucé. Il a dit, peut-être j'ai un peu exagéré. Seigneur, j'enlève tous les autres continents. Donne-moi de gagner mon continent. Je veux être un pionnier pour sauver mon continent. Je veux que mon continent soit changé. Seigneur, ouvre-moi, ouvre les portes. Donne-moi d'aller prêcher mon continent. Zéro. Dieu n'a pas répondu. Et puis il dit, peut-être j'ai mal prié. Seigneur,
c'est mon pays. Donne-moi de gagner mon pays. Je veux aller, je suis Camerounais par exemple, je veux aller dans toutes les 10 régions. Je veux aller partout au centre, au littoral. Je veux aller partout là, prêcher, prêcher, qu'on sache que tu es Dieu. Zéro, Jésus n'a pas fait. Il baisse. Seigneur, donne-moi de gagner seulement ma région. Je vois que ça demandera beaucoup de logistique pour tout un pays. Donne-moi de gagner ma région. Il prie, zéro. Dieu ne fait rien. Il dit, bon, ok, Seigneur, ma ville, Douala n'est pas très loin, donne-moi de gagner seulement toute ma ville. Et puis, les gens sauront qu'il y a des chrétiens. Encore zéro, Dieu n'a pas. Ok, Seigneur, donne-moi d'abord mon quartier. Je vais sauver mon quartier. Zéro, Dieu n'a pas fait. Dieu, donne-moi ma maison, ma famille là, je veux qu'ils sachent. Zéro, il n'a pas fait. Et il se tourne vers Dieu, dit, Seigneur, change-moi. Change-moi. Dieu lui a dit, tu devais commencer par là. Cherche à gagner le monde comme tu veux. Je vous dis, l'élévation a un grand prix. Hein. Quand Dieu t'élève dans les hauteurs, il y a beaucoup de vent. Je suis des fois curieux quand je prends les avions. Il m'arrive souvent de regarder les écrans, voir un peu les paramètres du vol. Et des fois, on dit, vous volez à 12 000 pieds. Vous roulez à 800 km par heure. La vitesse au sol, quel niveau? Et des fois, ils disent qu'il fait moins 48 degrés à l'extérieur. Quel niveau de froid? Mais imaginez un seul instant. Une fenêtre s'est trouée. La porte s'est détachée. Les risques seront très grands parce que l'élévation amène beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui fera que même quand Dieu t'élèvera, tu seras constant? C'est les brisements. Dieu t'élève, on t'apporte la proposition, touche à l'occultisme. Qu'est-ce qui fera que tu ne vas pas accepter? Parce que tu n'es plus vivant. L'apôtre Paul parle, il dit, vous êtes mort au péché. Ça veut dire, dans cet univers qu'on appelle péché, vous êtes inexistant. Je ne sais même pas accepter ta proposition parce que je ne sais pas. Mes frères, sœurs, certaines élévations tardent parce que nous-mêmes, nous ne collaborons pas avec Dieu. Il te dit, arrête ça, tu ne veux pas. Toi-même, tu sais que si tu avais obéi à Dieu, tu serais allé très long jour d'aujourd'hui. Toi-même, tu sais. Mais nous sommes résistants. Nous sommes têtus. Nous sommes rebelles. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que Dieu nous change. Et plus nous insistons, nous retardons notre élévation. Toi, tu demandes le mariage. Tu sais comme les vents et les vagues qui sont dans le mariage. Tu peux entrer dans un mariage, tu deviens sec. Hein? Des problèmes, ça va te sécher. Il y a des filles, elles étaient belles quand elles étaient célibataires. Mais elles se marient, les problèmes, elles fanent. Hein? Un garçon qui était aimant Dieu, sa vie change. Parce qu'une élévation, il y a trop de vagues, mes frères, sœurs. Mais qu'est-ce qui fera que malgré les vagues que tu tiennes, c'est la transformation. C'est les brisements. Tu demandes à Dieu, Seigneur, élève-moi, je vais sillonner le monde entier. Mais ça veut dire aussi que tu feras face aux tentations, face aux mauvaises propositions. Il arrive, frère, que je vois un tout petit peu. Tu es loin de ta femme, dormi dans un bel hôtel. Et tu vois les gens se proposer à toi. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne me dise absolument rien? Je suis transformé. Un jour, je vous ai dit, je prends un avion. J'étais dans une classe seule avec une femme. Et la femme me faisait des histoires bizarres de loin. Et vous savez, dans les avions, quand on décolle, à un moment, on éteint les lumières, n'est-ce pas? Donc, elle était dans son coin. Elle me regardait, elle souriait. Et j'avais peur, sincèrement. Je dis, Seigneur, si elle crie seulement que je l'ai violée, on va me faire quoi ici? J'étais mort en moi-même. Ça ne me disait absolument rien. J'ai pris ma couverture, je me suis couvert, je me suis endormi durant tous les vols. Je n'ai même pas pris son numéro de téléphone. Je ne l'ai même pas regardé, même pas. Et toi, tu demandes à Dieu les élévations. Si tu n'es pas transformé, ça peut devenir pour toi un poison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai
Brise, brise, brise la force du moi qui combat. Si ce message t'a touché, approche, on va prier. Brise l'orgueil dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur Jésus. Oh, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche. L'ennemi de moi-même, c'est le moi. Brise, 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 brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux réussir ma vie, mais brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Je veux aller au ciel, mais brise-moi. Oh, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de. Oh, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche. L'ennemi de mon âme, c'est le moi. L'ennemi de mon âme, c'est le moi. L'ennemi de moi-même, c'est le moi. L'ennemi de mon âme, c'est le moi. Oh, brise, brise, brise. Oh, brise, brise-moi. Mets ta main dans ton cœur, je vais prier pour toi. Ce message n'est pas qu'un simple message, il revêt un caractère prophétique. Ça veut dire que ce message annonce des choses que Dieu est sur le point de faire arriver dans ta vie. De la même manière qu'avant qu'un médecin ne t'opère, il applique sur toi l'alcool pour te désinfecter. Dieu veut faire une opération dans ta vie pour te changer. Mais il a envoyé ses messages pour enlever toute impureté, tout orgueil, tout en moi, tout en ego. Ici, Dieu ne veut pas te culpabiliser, mais il veut que tu reconnaisses ton mal pour qu'il te change. Jésus-Christ a posé la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il voulait faire, mais il voulait que celui qui était bénéficiaire reconnaisse. Seigneur Jésus, donne-moi des résultats. Ne me laisse pas de prêcher que pour que les gens disent que c'était bien. Je ne veux pas des appréciations sans changement. Je ne veux pas des appréciations sans transformation. Change mes frères. Change mes sœurs. Change moi-même. Viens briser notre ego. Nous clouons cette mauvaise nature à la croix de Jésus-Christ.
Nous crucifions cette mauvaise nature à la croix de Jésus-Christ. Seigneur, vois ces mauvais côtés de caractère qui empêchent à ma sœur d'être appréciée, qui empêchent à mon frère de prendre de la vitesse. Au nom de Jésus-Christ, viens ôter ces mauvais côtés de caractère. Viens ôter, Seigneur. Il a reconnu qu'il est orgueilleux. Elle a reconnu qu'elle est insoumise. Elle a reconnu qu'elle parle mal aux gens. Ô Dieu de grâce, toi qui, lorsque les hommes reconnaissent leur état, tu apportes ta main, étends ta main dans nos vies. Étends ta main, Seigneur, durant cette retraite. Nous ne voulons pas seulement recevoir de toi argent, promotion, mais les plus beaux cadeaux, c'est transformer nos cœurs. Si tu nous donnes de l'argent avec des cœurs méchants, nous allons dilapider ces biens. Mais si tu nous transformes d'abord, ta bénédiction ne sera pas avortée par notre caractère. Jésus, je demande des témoignages de ceux qui nous ont connus méchants. Je demande les témoignages de ceux qui nous ont connus ayant un mauvais caractère. Je demande les témoignages, Seigneur Jésus. Ces témoignages de transformation, ça permettra à ton église de se multiplier. Ça permettra à ce que nous gagnions nos familles. Ça permettra à ce que nous amenions vers toi nos collègues du service, nos maris, nos épouses, nos frères et sœurs, nos parents. Jésus change. Jésus transforme. Jésus délivre les mauvais caractères. Délivre de l'égocentrisme. Délivre de l'orgueil. Délivre de la cupidité. Délivre du mauvais langage. Délivre du mensonge. Délivre de l'impudicité. Délivre de la légèreté. Délivre de la rébellion. Jésus, je te demande de travailler dans nos vies, de changer nos vies, de transformer notre vie. Voici, Seigneur, nous sommes à genoux devant toi, signe d'humilité, pour te dire, Seigneur, nous en avons marre. Ces mauvais côtés de caractère nous a beaucoup fermé les portes. Ça nous a beaucoup ralenti. Nous voulons nous multiplier, mais d'abord change-nous. Avant de gagner l'humanité, l'univers entier, nous-mêmes, change-nous. Transforme-nous. Change-nous. Transforme-nous. Change-nous. Transforme-nous, Jésus. La croix ne donne pas seulement l'onction. La croix ne guérit pas seulement les malades. La croix change aussi les caractères. La croix transforme aussi les vies. Père, viens tuer notre ego. Oh Jésus, que le travail que tu as commencé dans ces cultes, je prie que tu l'amènes à l'achèvement. Saint-Esprit, permets que ce message retentisse dans les cœurs. À chaque fois que la mauvaise nature voudra prendre le dessus, permets que ces messages retentissent dans nos cœurs. Nous voulons montrer aux hommes qu'on ne vient pas à l'église pour perdre notre temps. C'est un véritable atelier céleste, un véritable laboratoire divin, là où Dieu change de caractère, là où Dieu brise. Merci de m'entendre. Saint-Esprit, veille sur ces messages dans nos cœurs. Veille sur cette sémence, ce travail que tu as commencé. Je refuse que la nature revienne au galop. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Rentrez dans vos places, s'il vous plaît. Nous allons rapidement apporter nos offrandes. Nous aurons deux services comme d'habitude. Les tout premiers, nous allons offrir à Dieu et à côté apporter une offrande pour les déménagements. Approchons-nous avec nos offrandes, s'il vous plaît.
Nous allons nous approcher pour le second service qui consiste à bénir le ministère qui nous a bénis ce soir. La Bible dit dans Galates, le verset 6, « Faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne l'évangile. Et si tu as ta dîme également dans les paniers indiqués, tu vas la déposer. » Seigneur, bénis ces offrandes, purifie, sanctifie, permet qu'elles servent au lancement de ton royaume. Bénis ta parole, qu'a été fidèle dans ses dîmes, dans ses offrandes. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui ont voulu aussi apporter, mais qui ont manqué le moyen. Et à ceux-là qui ont eu le moyen, mais qui ont manqué la révélation, enseigne-leur qu'on ne vient pas main vide dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Fais-nous déménager de cet endroit afin que nous puissions t'adorer dans les meilleures conditions. Au nom de Jésus, amen. Qui était béni par ce message? Ça m'a beaucoup édifié moi-même, vraiment. Je vous prie de réécouter ce message. De ne pas, il y a des messages, il faut ruminer, il faut écouter plusieurs fois. Ça fait un moment quand je viens prêcher. Je prends mon woofer, je mets les prédications du pasteur Marcelo. Durant tout le trajet, j'écoute. Quand je ne prépare mes prédications, j'écoute. Et ça fait que l'esprit qui se cache t'influence, t'est rempli. À la compassion, ne vend pas des prédications. Elles sont gratuites. Si tu as une clé USB, tu montes en haut là-bas. Gratuitement, on va te remettre. Mais aussi, vraiment, je l'ai toujours demandé. Mais là, explicitement, je vous demande de partager sur Facebook ce message. Pour que plusieurs personnes entendent. Allez sur Facebook, Église La Compassion Douala, vous partagez. Et ce message sera demain sur YouTube. Et je vous prie aussi de partager pour que plusieurs personnes soient édifiées. Je n'ai pas fini ce que j'avais prévu dire aujourd'hui. Je vais continuer mercredi. Je vous prie d'être là afin que nous puissions recevoir la totalité de ce que Dieu avait prévu. Demain, nous continuons de 18h à 20h. Tenez bon, il reste que plus que trois jours, c'est ça, hein? Donc quatre jours, c'est pas trois. Ok, c'est pas trois. Mardi, ah ouais, c'est quatre. Mais tenez bon, comprenez que le cerveau peut, les câbles peuvent bouger dans la tête. Mais tenez bon, il reste quatre jours, c'est pas beaucoup. Vraiment, je vous prie de jeûner. Je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de témoignages de programmes de jeûne. Beaucoup. Peut-être à présent, tu ne vois rien, mais c'est quelque chose qui entre en toi. C'est un chemin que Dieu va ouvrir pour toi. Il va aplanir. Peut-être toi, tu ne verras pas aujourd'hui, mais ce que tu fais, ça te précède dans ton futur. Tu dois vraiment bien le faire pour le vivre. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui ont prié à la compassion pour la première fois? Levez la main si vous êtes là. Nous acclamons le Seigneur, notre maman qui est là. À part elle, qui est d'autre, qui l'a invité, nous voulons la congratuler, nous acclamons le Seigneur, soyez bénis. Alors je voudrais dire que cette semaine nous aurons une nuit de prière, jeudi à 22h après les cultes, jusqu'au petit matin, et le dernier jour, le vendredi, on aura un module de prière de 12h à 14h, et je demande à la coordination vraiment d'organiser cela, et le soir, nous viendrons pour la grande clôture. Nous vous prions d'être là avec beaucoup de foi. On va faire un service de Sainte-Seine et vous devez vous préparer afin que ces repas saints puissent être pour nous tous une bénédiction. Je voudrais très rapidement, avant de finir, faire vraiment un rappel à tout le monde et surtout à ceux qui servent Dieu. Les départements qui travaillent activement pendant les cultes, vraiment je vous demande d'avoir de la révérence pour Dieu, du respect pour Dieu, d'être organisé, de faire montre d'un sens de respect et d'organisation. On ne peut pas venir un jour comme celui-ci, c'était férié, j'ai supposé qu'on n'était pas au travail,
Mais on voit que les fidèles sont assis, c'est quand vous, vous tripotez. Ça montre qu'on n'est pas organisé. Ça veut dire que dans nos maisons, on est comme ça. On arrange nos maisons quand les fidèles, les visiteurs sont là. On ne peut pas arranger les sons, arranger l'église, parfumer l'église. Quand les gens sont là, ça prouve qu'on n'est pas organisé, on ne respecte pas Dieu. Si on respecte un invité, un visiteur, vous arrangez votre maison avant qu'il ne vienne. Et si on ne le respecte pas, on s'en fout de sa présence, il va s'asseoir sur une chaise qui est poussiéreuse. Donc vraiment, tous les départements qui sont actifs pendant le culte, ne faites plus ça, respectez Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui sert Dieu avec négligence. Vraiment, évitez de servir avec négligence. Organisez-vous, si tu ne peux pas être là, dis à l'autre que viens à ma place, fais ceci à ma place. Mais que ça ne te reproduise plus, qu'on ne donne plus jamais l'impression d'être une église désorganisée, manquant du respect au Seigneur. Nous nous tenons debout, nous allons clôturer. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Chaque jour que nous venons ici, tu nous parles, tu nous arroses, tu nous bâtis. Seigneur Jésus, je ne veux pas qu'on apprécie mes messages sans prendre des décisions. Je ne veux pas qu'on dise que ces pasteurs prêchent bien si on ne veut pas changer de vie. Saint-Esprit, toi qui donne la force à mon frère, à ma sœur, de changer de vie, de prendre des décisions, que cette retraite ne l'amène pas, ne l'apporte pas seulement un miracle, une guérison, mais aussi une transformation, mais aussi des prises de décisions. Je prie, Père éternel, que tu les accompagnes dans leur demeure, que tu rentres avec chacun d'eux, que tu bénisses leurs légumes, que tu pourvois aux besoins de ceux qui en manquent, que tu guérisses ceux qui sont malades, que tu restaures ceux qui sont affaiblis. We've been texting it time.